I'm so far away from home. In this desert of regrets, never thought that I would have to let you go. Tell me, how can I forget? If I could travel back in time, I'd lay a blanket full of stars to brighten up the darkness of our sleepless nights. I'd find a way to make you smile. Aujourd'hui, on vous emmène au village gaulois. C'est à 45 minutes de chez nous. C'est Maxime qui nous a trouvé ça. Donc comme c'est les vacances en ce moment, c'est les vacances scolaires, bah du coup on en profite pour faire une petite sortie en famille. Donc vous avez vu ma petite pépette sauter par-dessus les petits plots. Et puis bah on va découvrir ça, c'est la première fois pour nous. Ça a l'air très chouette. C'est bon. C'est joli. Mmh. Ouais. Il n'y a pas l'art de la vie. Oh, c'est joli. Alors, est-ce que tu rajoutes quelque chose ensuite, ou pas? Ensuite, je vais faire un truc ici et un truc au milieu. Et ça, mais ça c'est... Alors, celle-ci elle est lavée. Et celle-ci elle est déjà cardée. Vous voyez la différence? Séparer les fibres, démêler les nœuds.
pour avoir une laine plus homogène, plus facile. Ici, elle est déjà cardée. Donc, vous voyez la différence, elle est beaucoup plus homogène. Et c'est à partir de cette laine cardée qu'on va pouvoir commencer à la travailler. Par-dessus. Et je l'enroule. Et j'y mets de l'eau chaude et je vais la travailler en faisant ce mouvement là pendant un certain temps. Ça prend du temps. Vous faites ça combien de temps? Je dirais quelques heures. Voilà, ça, je le retourne d'un côté, de l'autre, je rajoute de l'eau chaude au fur et à mesure. Il faut toujours que ce soit chaud ou une fois que c'est froid, c'est trop tard pour recommencer. Alors là c'est... Non, là c'est froid, donc là vous pouvez m'arrêter parce que je vais pas continuer. Voilà, exactement. Et on a toutes les fibres qui sont possédées, accrochées entre elles. Et donc ça nous donne une matière plus solide. Tu vas mettre cette partie-là, regarde, par-dessus. Et ensuite, tu vas bien tenir. Et là, tu vas taper fort pour l'écraser. Dehors avec un petit peu de changement. Voilà. Ça fait un peu bizarre et j'ai un petit peu du mal à m'y faire. J'en ai porté en plus de l'âge de mes 6 ans à mes 19 ans, 20 ans. Et j'ai été sans jusqu'à l'an dernier. Ça me fait un petit peu bizarre, mais j'espère que je vais m'y faire assez rapidement. Pour l'instant, c'est pas trop ça. Bref, je vous parlais pas de ça, je suis pas venue pour ça, je suis venue pour vous faire le petit débrief de notre sortie au village gaulois, puis vous montrer aussi ce que j'ai rapporté. Le village gaulois, il est à 40 minutes de chez nous, vous avez vu un petit peu comment c'était. C'est un village qui a été réalisé par des passionnés et par des archéologues. Ils ont été, je crois, si je me souviens bien, le monsieur nous a dit entre 4 et 5 personnes à réaliser l'entièreté du village. Et il n'y a que des bénévoles qui travaillent à l'intérieur. Et j'ai trouvé ça vraiment très très chouette parce que, comme vous avez pu le voir, il y avait plein de petites... Alors je vais appeler ça des petites cahutes, mais évidemment ça s'appelle pas comme ça, mais des petites maisons. Et à l'intérieur de ces maisons, en fait, vous aviez des métiers qui étaient représentés. Par exemple, il y avait la vannerie, on avait le tissage, on a eu la monnaie. Donc, il y a eu deux intervenants aussi qui sont venus nous expliquer quelle était la monnaie à cette période-là, comment elle était réalisée, comment elle était frappée, quelle taille, quel dessin dessus. On a une personne juste avant qui est venue nous parler justement de la forme... Mince, c'est pas la forgeronnerie, mais de son métier de forgeron et de ce travail à l'époque gauloise. Et en fait, c'était super, super intéressant, vraiment passionnant. Et
Alors, ça peut peut-être surprendre, ça nous a surpris un petit peu au début, j'avoue, le prix de l'entrée pour les enfants principalement, parce que pour les adultes, on sait bien que c'est toujours plus cher. Mais c'est vrai que le prix de l'entrée pour les enfants nous a un petit peu étonnés. Et en même temps, je pense que le prix aussi s'explique parce que, en fait, vous avez vraiment beaucoup d'intervenants, beaucoup de personnes qui sont là, même si c'est pas un village hyper grand. En fait, dans chaque petite maison et dans chaque atelier, vous avez une personne qui est là physiquement pour vous parler et pour vous expliquer en fait ce qui se passe. Et ça, c'est extrêmement rare. En fait, on l'avait jamais vu avant. La plupart du temps, quand on va voir des expos, même quand on était allé par exemple aux grottes de Lascaux l'an dernier, il n'y a pas une personne qui est là. Il y a des audio guides, il y a des panneaux d'affichage. Si vous voulez payer la visite guidée, vous avez en plus une visite guidée que vous payez à côté. Alors que là, vous n'avez pas à payer de visite guidée. Par contre, vous avez vraiment des personnes qui sont présentes sur place pour vous expliquer, pour poser des questions, pour discuter avec vous. Et ça, c'est, je trouve que c'est hyper précieux. Et forcément, bah, ces personnes, hein, comme le site s'entretient, les personnes se rémunèrent aussi. Même si on est dans une association et c'est du bénévolat, il y a quand même un travail qui est de la présence, un travail qui est effectué. Et je pense que c'est ce qui contribue au tarif de l'entrée. Voilà, donc ça a été juste notre petit... on ne s'attendait pas tout à fait à ça, donc c'est vrai que ça a été notre petit questionnement quand on est arrivé. Et ensuite, en déambulant, parce que je suppose que si vous y allez, vous allez vous poser la même question, mais en déambulant dans le site et puis en voyant la qualité des personnes qui sont là et qui sont présentes pour vous, bah en fait, on se rend compte à quel point c'est précieux et c'est normal aussi de le répercuter quelque part. En tout cas, moi, j'espère que cette découverte vous a plu. C'était très chouette. Et alors, je dois dire que ça m'a replongée dans tout ce qui m'a émerveillée quand j'étais enfant, quand justement... je m'intéressais aux mythologies, je me suis principalement intéressée justement à la mythologie gauloise, à la mythologie celte et à l'histoire et à cette histoire-là. Et ça m'a refait vivre un petit peu tout ça, ça m'a remis des paillettes. je me suis dit que j'aimerais vraiment avoir plus de temps pour approfondir, pour relire des choses que j'avais lues dessus, pour me redocumenter. Voilà, ça me plaît énormément. De toute façon, cet univers me plaît énormément. Vous l'avez vu, hein, je vous ai déjà emmené avec moi dans le festival, par exemple, Écho et Merveille. On y retournera ensemble cette année. Mais c'est vraiment une histoire, quelque chose qui vibre à l'intérieur de moi. Je suis sûre que vous avez ça pour vous, hein, pour d'autres, peut-être aussi pour la culture celte, gauloise, ou peut-être pour la culture grecque ou la culture japonaise. Il y a peut-être quelque chose qui vous émeut particulièrement dans l'une de ces cultures. Moi, c'est celle-ci. Et j'avoue que... voilà. Ça m'a fait vibrer et ça tombe encore mieux parce que justement on est en train de se prévoir un petit une petite semaine avec Maxime et notre fille et sans doute notre maman, enfin ma maman qui va m'accompagner aussi, qui va nous accompagner pour un petit séjour en Bretagne, mon lieu de cœur. Voilà. Et ce que j'en ai rapporté, alors c'est bientôt l'anniversaire de Maxime, donc je l'ai trouvé. Et là-bas, il y a pas mal de... Dans la petite boutique, il y a pas mal de choses artisanales à bail d'ail noir. Et je lui ai trouvé deux bières à l'ail noir, puisqu'il adore la bière. Donc j'ai trouvé ça très original. Donc je lui ai ramené ça. Enfin, il s'est choisi ça, mais je lui ai offert un petit peu comme pré-cadeau d'anniversaire. Et moi, je suis tombée sur deux livres des collections Rustica. Arbre sacré. Donc Arbre sacré, c'est écrit par Bernard Boudouin. Donc on a à l'intérieur, regardez-moi cette belle présentation, mais c'est trop beau. Je trouve que Rustica, vraiment au niveau du travail graphique
et de la réalisation. Il y a une vraie qualité incroyable. On se croirait avec un petit précieux, un petit livre précieux. Et à l'intérieur, c'est sur du parchemin comme ça. On a les essences d'arbres qui sont représentées avec, vous voyez, si vous voulez peut-être faire une petite pause. Je vois pas, moi c'est assez flou là sur l'image, donc j'espère que c'est pas flou pour vous et que vous pourrez faire pause. Mais vous voyez, vous avez la symbolique de l'arbre, l'axe du monde, l'arbre de vie, les multiples en fait dimensions de l'arbre, les différentes familles, et puis vous avez ensuite chaque arbre avec par exemple une petite histoire sur l'arbre, des fois mais pas toujours une illustration ou une photo. Une photo, plutôt d'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait des illustrations avec des photos. Voilà par exemple, ici, vous avez deux pages sur le genévrier. Et vous avez autant sa symbolique que justement dans les différents mythes et l'utilisation aussi thérapeutique. Donc j'ai trouvé ça très très sympa. Vous savez que je m'intéresse beaucoup beaucoup à la botanique depuis maintenant un an et demi, deux ans. Avant c'était simplement... Je trouvais ça joli, ça m'intéressait, je trouvais ça beau, j'adorais dessiner des plantes. Mais je ne suis pas allée jusqu'au bout de la démarche, de là vraiment plus une démarche de travail de la plante, de reconnaître les plantes, de connaître vraiment la structure également. Et puis d'aller creuser la symbolique, ce qu'elle représentait aussi pour moi dans mon histoire personnelle. Donc voilà, j'ai pris ce livre-là sur les arbres. Et puis, j'ai pris celui sur la magie des druides de Florence Laporte. Pareil, exactement, voilà, c'est une petite collection, hein, vous voyez. Donc on a deux petits livres comme ceci, c'est une petite collection. Hein. Et très très joli aussi. Et à l'intérieur, là, vous avez des planches un petit peu botaniques. Vous avez quelles images avons-nous des druides et des celtes, la conscience du druide, un autre regard sur la nature, les pratiques druidiques avec tout ce qui va être autour de la cueillette, les différentes utilisations traditionnelles des plantes, et puis vous avez aussi les animaux de pouvoir. Ensuite vous avez les plantes druidiques avec, vous retrouvez l'achille et millefeuille, l'ail des ours, l'armoise, l'aubépine, la bardane, le bouleau, la bruyère, la camomille romaine, la consoude officinale, le gui, le lierre grimpant, la menthe aquatique, le millepertuis officinal, l'ortie piquante, le plantain lancéolé, la reine des prés, la ronce, le sureau, le tilleul, la verveine officinale, la vigne. Et pourquoi je vous les énumère? Parce qu'en fait c'est intéressant. Dans le sens où ce sont des plantes que l'on peut retrouver facilement chez nous. Ce sont des plantes communes. J'en avais un petit traité sur les plantes, mais c'était des plantes qu'on trouvait plutôt en Amérique. Donc, voilà, c'était moins pratique pour pouvoir travailler directement avec la plante. Ou sinon, c'était juste avec l'image. Donc, là, je trouve ça chouette d'avoir vraiment quelque chose autour des plantes de chez nous. Vous retrouvez aussi des arbres. Vous voyez ici, par exemple, on a le bouleau. Ici, regardez cette jolie page avec la bardane. Et donc, ici, dans celui-ci de photons, on a plutôt des planches botaniques. Donc évidemment ça m'a plu, donc ça m'a inspiré pour le travail qu'on est en train de faire avec Claire sur le tarot botanique et sur mon propre travail à côté sur les petites planches botaniques que je fais. Voilà, je me suis rapporté également deux petites choses, c'est deux petites pièces que vous avez ici qui sont frappées des deux côtés. Vous avez les illustrations qui sont d'un côté et de l'autre, puis les faces, en sachant que, comme il l'explique justement dans le village gaulois, en fait, donc les pièces sont à peu près 3 grammes, donc c'est des toutes petites pièces comme ceci, elles n'étaient pas plus grandes que ça à l'époque,
Et il les enchaînait, il les faisait vraiment à la chaîne. C'était, on mettait la pièce, un coup de marteau, on passait à la suivante, un coup de marteau, ce qui fait qu'on n'était pas là à tailler sa petite pièce en faisant super attention. Donc elles ne sont pas toujours bien marquées, on ne voit pas toujours bien les illustrations, et c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, vous avez vu, ma fille en fabriquait une. Elle a fabriqué aussi une petite pièce de cuir, et elle a fabriqué aussi, c'était avec de l'étain, elle s'est fait un petit symbole avec un soleil, des petits fers à cheval sur le haut, puisqu'elle est férue d'équitation. Donc voilà, en fait c'était vraiment très chouette, et par contre les adultes ils pouvaient pas faire. Alors moi j'étais un peu frustrée parce que évidemment les petits trucs artisanaux comme ça, ben j'avais bien envie de les faire aussi, et ça m'a j'étais là, ben mince, c'est dommage, c'est que réservé, c'est en libre service, hein, donc les enfants sont en parfaite autonomie pour le faire. Donc je me suis dit, ben c'est dommage parce que ben voilà, moi aussi j'aurais bien aimé créer ma petite pièce, créer mon petit symbole en cuir. Voilà, il y a des choses qui sont... Les adultes sont aussi des grands enfants. Ils sont aussi des artistes des fois. Donc eux aussi ils ont envie de faire. Ça m'aurait fait plaisir. C'est mon seul petit regret, j'avoue, de ne pas avoir pu moi aussi exprimer ma créativité dans ces petites créations, et d'avoir tapé moi-même ma pièce. Voilà, quitte à payer le petit bout à côté, bah, j'aurais préféré payer le petit bout à côté, mais aller moi-même faire ma pièce à moi. Ouais, ça m'aurait fait grandement plaisir. J'espère que cette petite visite avec nous vous a fait découvrir quelque chose. Je suis vraiment ravie, moi. Alors, cette chaîne YouTube n'est pas en train de dériver en chaîne de voyage, en chaîne de découverte. Mais c'est vrai que dans ces petits vlogs, c'est sympa de vous emmener aussi avec moi découvrir de nouvelles choses. Je ne suis pas une grande exploratrice, donc vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Peut-être que ça vous fait très plaisir, mais pour ceux qui ça leur passe à 10 000, j'avoue que ce n'est pas forcément quelque chose qui va exploser sur ma chaîne. Mais ça me fait plaisir de partager comme ça des petits moments avec vous, et puis de vous faire découvrir quelque chose qui, moi, m'a fait vibrer. Je vous souhaite une belle journée, prenez bien soin de vous, et puis à très bientôt. Salut !